Salut, c'est Vincent. Les 17 et 18 juin se tiendront à Archéos les Archéosiennes. Pour le retour de cet événement iconique, nous avons réservé une programmation autour de la vie quotidienne et militaire entre le 10e et 12e siècle. Et pour l'occasion, nous avons réalisé un court-métrage avec plus d'une centaine de figurants qui mettra en avant le site et vous présentera au mieux l'événement. Que je vous raconte ? Hier, en sortant de la taverne, je me suis dit, tiens, je vais aller maltraiter un ou deux cerfs. Alors je vais au château, et ben j'avais rien à dire. L'allée était balayée, les remparts propres, rien à dire. Donc je me dis, tiens, je vais aller au Portus. Et là, il y en a bien deux, trois que je vais pouvoir maltraiter. Oh ben donc, j'arrive, tout le monde travaille, ils font la révérence quand je passe, ils me saluent, et surtout ils se taisent. Oh ben alors là, c'était l'horreur, rien à dire. Et là, qu'est-ce que je vois ? Un pêcheur, il est en train de pêcher, enfin le boulot du pêcheur. Du coup, je vais le voir et puis je lui dis, bah alors, ça mord. Et il me dit que non. Et là, j'ai eu un énorme coup de latte, il tombe à l'eau et je lui dis, eh ben t'as qu'à les attraper à la main. On rigole. On peut dire que sa pêche est tombée à l'eau. Et là, du coup, donc je le vois se débattre comme un pauvre diable. Je lui dis, mais lève-toi, t'as pied, voyons. Et ben, il avait pas pied, il sait pas nager. Bon, c'est pas tout, mais là j'ai les mouches qui dansent au fond du verre. Hein. Oh non, les cerfs ! Oh non ! Allez, c'est quoi ça ? Mais des gouttes toujours pareil de toute façon. Vincent, on a besoin de toi pour surveiller. Vincent, de surveillance. Vincent, ceci. Pendant qu'ils sont tous là, à la taverne, en train de profiter d'un super repas, comme si il y a quelqu'un qui voudrait attaquer cette motte, quoi. Pff, impossible, impossible. Vincent, la motte, personne n'arrivera jamais à la prendre. Quoi ? Qu'est-ce que je vois là-bas ? Les petits ? Ça bouge ? Ça bouge ? On nous attaque ! On nous attaque, sire ! On nous attaque ! Sire ! Comment ça marche, ça ? Ça marche vraiment pas ! Sire ! Sire ! On nous attaque ! On nous attaque ! On nous attaque ! Sire, on nous attaque ! Sire ! Les barbeaux, ça attaque de tous les côtés ! Sire ! Sire ! Bonne celle-là aussi. On nous attaque, sire. Non mais, mon petit gars, si on nous attaquait, eh ben le vigile qui est en poste, eh ben il sonnerait le... C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ça marche pas. Allez, mon chien. Comment ça, ça marche pas? Ah, oh, mais donne. Ça marche pas. Non. Comment ça se fait que ça marche? Ah oui, si, là, ça... Je crois que ça capte mieux. Ouais, mais... Mais on nous attaque! On nous attaque! On nous attaque! Mesdemoiselles, je crois que c'est le moment.
les assaillants, du coup ? C'est quoi ? J'ai vu quelque chose bouger et ça avait l'air vraiment dangereux. Quelque chose bouger ? Dangereux. Je te préviens, si tu me ridiculises pour un lapin... Ça y est ! Quoi ? Bien sûr, l'apprend ! Enfin... Les enfants ? Enfin... Les morceaux de bois ? Alors, j'ai mis mon armure... Pour trois marmots, c'est ça que ça veut dire ? Sire ! Quoi ? Il y a d'autres groupes là-bas ! Ah bon ? Tout petit... Ah oui. Ou peut-être très loin, très loin. Ah, oui. Des femmes ? Hein ? Pas contentes ? Ah, pas contentes, c'est dangereux des femmes, pas contentes, sire. Alors, quand ils sont plusieurs, je vous raconte pas, hein. Oui. En effet, puis ça commence à faire beaucoup de marmots, là, hein. Mais vous savez quoi ? Une fois notre charge lancée, eh bien, ils vont étaler dans leur terrier. Peuple d'Archéos, trop longtemps, vous avez été asservis, réprimandés, humiliés par ces tyrans, profitant de leur rang pour vous faire souffrir. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'emporter. Ils ont des armes, des armures. Oui, c'est vrai, ils sont armés. Mais nous, nous portons l'espoir. Nous, nous avons le nombre, la détermination. Car aujourd'hui, nous nous battons pour notre liberté. Sire, oui. Plus on avance, plus on en prend, non ? Plus on avance, plus ils grossissent. Ah, oui. C'est marrant, moi je me suis arrêté et ils avancent quand même. Mais c'est nous qui chargeons. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous chargent ? Eh monseigneur, si on les contourne, on pourra la faire attaquer par surprise. Trop tard, je pense qu'ils nous ont déjà vus. Pour les contourner, il faudrait passer par l'excès pompier et j'ai pas mes clés. Ah, oui. Alors, vu d'ici, on a une mauvaise vue d'ensemble, hein. Vous savez quoi, je vais aller voir au donjon, et je vous dis quoi faire, hein. Allez. Attendez, je viens avec vous. Sire, je vais vous tenir la porte. Monseigneur, on attaque, on contourne. Monseigneur. Ah, d'accord. Ah oui, des retraites tactiques pour optimiser la stratégie de repli. Attendez-moi ! Come on!
Je plaisantais. On peut négocier. On peut négocier. Non, c'est mon seigneur qui a tout fait, qui a tout m'a négocié, je vous jure. On n'a rien fait, c'est lui, c'est le seigneur. Je vais trouver des bons produits au marché. Parfait. Des salades d'air champ, des lentilles de Flynn-les-Rache, de quoi faire une bonne potée de choux. J'espère que ça va vous plaire. C'est des produits du territoire. Il y en a qui sont en bio, les agriculteurs prennent soin. Tout est en circuit court, là, il n'y a pas de doute sur la provenance et sur la qualité. On peut y aller. De quoi faire un banquet parfait. Parfait. Waouh, on a vraiment une super vue ici. Les filles, il va vraiment falloir que je vous emmène visiter les richesses du Douaisis.